واحبار الشادو وينو وناقي واحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Et bonne chance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Saad Jamahmi, professeur de collège en français. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, d'abord, c'est une séance qui s'adresse aux élèves de 8e année. Pourquoi les élèves de 8e année? Parce que l'argumentation, c'est une séquence qu'on commence en 8e. Mais rien n'interdit pour les élèves de 9e de prendre cette séance comme une séance de révision. La séance d'aujourd'hui s'intitule l'argumentation, d'où l'objectif qu'on va étudier tout au long de cette séance, qui est étudier les caractéristiques de l'argumentation. Très bien. C'est quoi les caractéristiques de l'argumentation? Bien, si je me permets d'expliquer d'une autre façon, c'est-à-dire étudier, apprendre les différents éléments dont est constituée l'argumentation, c'est-à-dire les différents points qui va composer l'argumentation. Donc, on commence par, d'abord, avant de rentrer dans les détails, nous allons commencer par expliquer qu'est-ce qu'une argumentation. Donc, disez avec moi, suivez avec moi, chers élèves, une argumentation, c'est une forme de discours dans laquelle on essaie de convaincre, de persuader celui à qui l'on s'adresse. Donc, l'auteur, tout au long de son texte, il va essayer de vous convaincre. Qui ? Il va essayer de convaincre qui ? Mais il va essayer de convaincre vous, en tant que lecteur, afin de vous, de partager son opinion, bien son avis, avec vous. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire argumenter ? Argumenter, tout simplement, c'est essayer de convaincre le lecteur tel que vous, ou l'auditeur, d'une idée que vous croyez juste. Voilà. Vous aussi, vous pouvez faire une argumentation, vous le faites toujours, parce qu'à un moment ou à un autre, vous essayez de convaincre, de donner votre opinion vis-à-vis d'un sujet. Voilà. Donc, on continue. Maintenant, nous allons nous intéresser au vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un développement ou un paragraphe argumentatif? Ne vous étonnez pas si vous entendez parler d'un développement. Le développement et le paragraphe, c'est toujours le même. Voilà. Un développement ou paragraphe argumentatif comporte des étapes précises qui lui donnent sa cohérence, son unité et sa force. Il est composé des 4 pivots, des 4 éléments. En premier, nous avons le thème. En deuxièmement, nous avons la thèse. Troisièmement, nous avons les arguments et on va terminer par les exemples. Donc, l'ensemble des paragraphes argumentatifs est composé des 4 pivots, c'est-à-dire des 4 étapes. La première étape, nous avons le thème. Donc, c'est quoi le thème? Le thème, comme vous le voyez ici sur l'écran, c'est un sujet sur lequel porte le discours. Ça peut être écrit, ça peut être oral, parce que dans le texte argumentatif, le thème, c'est le sujet sur lequel porte le discours écrit ou oral exprimé par l'émetteur. En général, un thème suscitant des opinions contradictoires, c'est-à-dire qui amène à ce que les gens se confrontent entre eux. Je continue. Qu'est-ce qu'une thèse? Juste après le thème, nous avons, en deuxième partie, nous avons la thèse. C'est quoi la thèse? C'est une opinion. Une opinion, c'est quoi? Un avis. Un avis que vous considérez comme juste. Que toi, autant qu'élève, que tu considères juste, que l'auteur considère juste. On peut aussi dire que c'est l'idée directrice que l'on veut soutenir. Voilà. Pour exprimer sa thèse, on emploie un verbe d'opinion ou un verbe modalisateur. Dans les deux cas, c'est la même chose. Qui dit verbe d'opinion dit verbe modalisateur. C'est la même chose. Par exemple, nous avons penser, croire, admettre. Par exemple, si un élève à vous dit, par exemple, j'aimerais étudier, poursuivre mes études universitaires à Djibouti, cet élève-là, il est en train de donner sa thèse, son opinion sur ce qu'il pense de sa poursuite des études. Qu'est-ce qu'un argument? Un argument, c'est une preuve qui sert à démontrer qu'une opinion est juste dans un raisonnement. Il est obligatoirement au service d'une thèse qu'il vient confirmer. Vous pouvez tirer vos arguments de votre expérience personnelle, de lecture, des films, de la presse. Voilà. Donc, c'est quoi l'argument? On avait dit, le thème, c'est le sujet dont on parle. Il peut être écrit ou oral. On a dit aussi que
Après le terme, nous avons la thèse. La thèse, c'est-à-dire, c'est l'opinion que l'auteur, ou bien l'avis que l'auteur a vis-à-vis du thème. Et en troisièmement, nous avons l'argument, c'est-à-dire les raisons qui justifient l'opinion de l'auteur. Et enfin, nous terminons par l'exemple. Un exemple, c'est un fait concret qui vient appuyer et illustrer un argument. Il est en général plus concret, plus précis qu'un argument et nous donne un caractère vivant. Donc, vous pouvez tirer des exemples de votre expérience professionnelle, des lectures normalement. Et nous, en tant que prof de français, on encourage toujours les élèves à lire beaucoup parce qu'en lisant beaucoup, ces élèves-là peuvent avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'exemples à présenter et ils vont essayer de mieux convaincre l'autre personne avec qui il est en train d'échanger ses arguments. Donc, sans plus tarder, pour être convaincant, une argumentation doit être cohérente. Ce que tu précises, il faut être cohérent. C'est-à-dire, les idées que tu avances doivent être cohérentes, logiques. Pour cela, les connecteurs logiques réunissent les idées entre elles dans un raisonnement permet de passer d'un argument à l'exemple ou d'un argument à un autre. Ici, une fois que l'élève, dans la phase où il a récolté ou bien présenter les différents arguments qui justifient son opinion, il ne doit pas en fait présenter les arguments comme ça. Il doit les classer. Comment il va les classer? C'est grâce au connecteur logique, mais cette leçon, c'est une leçon qui va être prochainement transmise pour vous. Donc, les connecteurs logiques aussi, on les appelle les connecteurs logiques. Ils permettent de passer d'un argument à un autre exemple ou bien d'un argument à un exemple. Voilà. Et ainsi de classer. Pour être convaincant, une argumentation doit être cohérente, logique, quelque chose qu'on peut comprendre. Pour cela, les connecteurs logiques relient les idées entre elles dans un raisonnement permet de passer d'un argument à l'exemple ou d'un argument à un autre argument. En fait, le rôle de ces connecteurs logiques, c'est de classer, d'organiser, d'ordonner les arguments du moins important au plus important afin de mieux convaincre son interlocuteur. Les conseils que nous donnons ce matin, c'est vous devez construire une chaîne d'arguments, classer par exemple, repérer les arguments dans une feuille de brouillon, donc choisir un ordre logique. Comment tu vas classer ces arguments? Comment tu vas amener à transmettre ces arguments? Pour exposer ces arguments, par exemple, du plus simple au plus complexe. Pour le conseiller ce matin, je tiens à préciser dans le cadre de la production écrite, vous allez être amené à rédiger un paragraphe argumentatif. Vous devez construire une chaîne d'arguments, c'est-à-dire repérer ou bien recopier, mettre les arguments que vous avez dans la partie brouillon et de les classer par ordre logique pour exposer ces arguments. Tu peux par exemple les présenter une fois que tu as recopié dans la partie brouillon, tu peux les classer sur ta copie finale, par exemple, du plus simple au plus complexe. Voilà, ça c'est les conseils d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà, l'objectif d'abord. L'objectif c'est quoi? Un texte argumentatif, une fois qu'on a présenté les quatre pivots, c'est-à-dire le thème, la thèse, les arguments et les exemples, pourquoi? Quel est l'objectif visé ici? L'objectif final, c'est de convaincre ou de persuader. Comment convaincre une personne? On le convainc grâce à la raison. Voilà. L'émetteur a recours à la raison pour convaincre et pour persuader, il faut utiliser un oratoire et rhétorique pour toucher la sensibilité du destinataire. Ici, il faut convaincre avec la raison et pour persuader, il faut utiliser des arguments sensibles, des arguments qui touchent les sentiments de la personne. Une fois qu'on vient de terminer, d'abord avant d'entamer cet exercice, j'espère aussi que les parents que vos parents sont juste à côté de vous afin de vous encadrer avec nous. Donc avant de lire le texte avec vous, j'aimerais rappeler les quatre points importants d'un texte argumentatif, d'un paragraphe argumentatif. Premièrement, vous avez le thème. Le thème, c'est le sujet dont on parle. Il peut être écrit, il peut être oral. Deuxièmement, vous avez la thèse. La thèse, c'est l'opinion ou bien l'avis que l'auteur porte à propos ou bien à partir du thème ici. Troisièmement, vous avez les arguments. Les arguments, ce sont les raisons que justifient l'opinion ou l'avis de l'auteur dans le texte. Et finalement, vous avez les exemples.
les exemples ici qui viennent illustrer et expliquer de façon détaillée les arguments. Voilà. Donc, à présent, chers élèves, je vous invite à prendre votre cahier et vos stylos et on va commencer à travailler avec ces textes. Donc, qu'est-ce que je vous demande ce matin? Je vous demande de relever dans ces textes le thème, la thèse et les arguments. Relevez trois choses. Le thème, la thèse et les arguments. Donc, avant que vous commenciez le travail, j'aimerais d'abord lire, qu'on lise ensemble le texte. L'environnement et tout ce qui nous entoure, c'est l'ensemble des éléments artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. L'homme, à mon avis, met l'environnement en danger et le rend invivable pour lui et pour la faune et la flore. D'abord, l'eau des rivières et des océans est salie et polluée par des déchets. De plus, les fumées des usines et des voitures détériorent l'air et provoquent des pluies acides. Aussi, les forêts sont détruites alors que des arbres permettent de lutter contre la pollution de l'air. Enfin, des espèces animales et végétales, qu'elles soient terrestres ou aquatiques, disparaissent de la terre. Très bien. Donc, je vous redemande de bien relire le texte et de repérer, de relever dans votre cahier le thème, la thèse et les arguments. Voilà. Je vous laisse quelques minutes. Ok. À présent, j'espère que vous avez terminé de relever le thème, la thèse et les arguments. À présent, nous allons passer à la correction. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Le thème dont on parle dans le texte est l'environnement. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Maintenant, concernant la thèse, l'homme, à mon avis, met l'environnement en danger et le rend invivable pour lui et pour la faune et la flore. Passons aux troisième étape qui est les arguments. Premier argument relevé, d'abord, l'eau des rivières et des océans est salie et polluée par des déchets. Deuxième argument trouvé, de plus, les arguments des usines et des voitures détériorent l'air et provoquent des pluies acides. Troisième argument relevé, aussi des forêts sont détruites alors que des arbres permettent de lutter contre la pollution de l'air. Et dernier argument trouvé, enfin des espèces animales et végétales, qu'elles soient terrestres ou aquatiques, disparaissent de la terre. Donc voilà, nous venons de voir, nous avons retrouvé ensemble, j'espère que vous avez tout retrouvé, nous avons retrouvé le thème, la thèse et les arguments. Voilà. J'espère que les mots qui vous ont permis de retrouver les arguments sont d'abord, de plus, aussi, enfin, qu'on les appelle les connecteurs logiques qui vous ont permis de classer les arguments. Je vous remercie de votre attention. Je remercie les parents aussi qui ont suivi avec nous et ont participé avec et ont aidé leurs enfants à mieux comprendre la science. On s'est dit bonne chance et